Nous sommes une entreprise de transport et logistique de produits alimentaires. Nous sommes 14 000 en France et nous sommes implantés sur 170 sites. Nous travaillons avec toutes les populations au sein de l'entreprise et la spécificité de notre entreprise, c'est qu'on emploie 70% d'ouvriers et d'employés. On a beaucoup travaillé depuis une quinzaine d'années sur notre politique de promotion interne via le développement des compétences des salariés tout au long de leur carrière. Et aujourd'hui, 70% de notre personnel agent de maîtrise et cadre est issu de la promotion interne. Au cours de cette table ronde, j'ai témoigné sur la recherche qu'on a fait de développer au niveau de notre politique qualité de vie au travail, la parentalité et d'élargir notre politique d'égalité des chances qui est importante au sein de l'entreprise aux enfants du personnel. Donc nous avons travaillé à cette innovation en se disant comment on peut enrichir notre politique QVT sur la partie parentalité en mettant en place quelque chose qui est accessible à tous, partout en France, sur toutes nos implantations et pour toutes les familles des salariés. On a travaillé donc avec un éditeur sur la mise en place d'une plateforme de soutien scolaire digitale pour les enfants du personnel. L'expérimentation de ce projet s'est déroulée sur 6 mois. Sur une vingtaine de sites et on a eu un résultat plus qu'exceptionnel puisqu'on a 800 enfants qui se sont connectés à cette plateforme digitale pour travailler les matières dans lesquelles ils avaient besoin. Donc ces programmes, ils sont calés sur les programmes de l'éducation nationale et ça couvre de la classe de CP jusqu'à la terminale avec des programmes de révision spécifiques pour les jeunes qui passent soit le brevet, soit le baccalauréat. Aujourd'hui, on a développé depuis un an cette plateforme sur nos 170 sites en France et à date, on a 2700 jeunes, qu'ils soient des primaires, collèges ou lycées, qui sont connectés au quotidien pour être accompagnés sur les matières qui leur paraissent importantes. Donc certains pour faire des progrès, d'autres parce qu'ils trouvent que la plateforme est très ludique et que la matière, la manière d'enseigner, que ce soit à travers des quiz, des jeux, leur paraît plus accessible. Le taux de satisfaction au niveau de nos salariés est important. Les gens sont contents de cette initiative parce qu'on reconnaît cette importance de prendre en compte la parentalité dans l'entreprise, mais aussi parce que ça donne une forme d'égalité des chances à l'ensemble des salariés de l'entreprise et c'est complètement connecté aux valeurs qu'on porte au sein de STEF.